Coucou mes beautés, j'ai changé d'endroit. Oui, j'ai changé d'endroit. Bon, bah écoutez, on revient à ses premiers amours. Je ne sais plus si vous vous rappelez, mais je venais. Comment? C'était un endroit où je vous avais expliqué que des fois, avec maman, on se posait là, quoi. Et là, c'est le cas de le dire, je me pose aussi là. On se posait, puis bon, on parlait un petit peu, quoi, de choses et d'autres. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez, une journée phénoménale. Ouais, je vous raconte tout? Tout? Pas tout? Si, tout, vous voulez tout savoir. Bon, bah ok, allez, on se fait un petit blabla. Non, mais là, je me pose. J'avais même envie d'aller un petit peu à la salle après. Ça ne peut pas faire de mal, hein? Ça ne peut pas faire de mal. On verra bien, je verrai bien. De toute façon, je suis déjà bien en sport, là, donc ça va. Alors, il faut que je vous explique. Par contre, il y a juste un truc, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, surtout pas. Surtout pas, surtout pas. Non, surtout pas. Mais il y a une chose que j'ai vraiment du mal avec ça, c'est l'égoïsme, quoi. L'égoïsme. Ouais, j'irais juste que ça me donne la nausée, quoi. Voilà, c'est tout. Ça fait du bien, des fois, de dire les choses. Ah ouais, non, non. Bon, alors, qu'est-ce que j'allais dire? Alors ce matin, alors ma petite Céline, si tu vois ma vidéo, eh bien ton colis est parti. Donc voilà, je raconte tout. Donc comment bon, de toute façon, je t'enverrai un email, mais je vais essayer de mettre ma vidéo après. Ouais. Et donc elle m'a dit, la dame, comme demain c'est le 1er novembre et qu'après c'est le week-end et que le lundi elle est fermée et que le livreur y passe que le mardi. Donc le colis partira mardi. Donc voilà. Mais je te redirai tout ça par mail. Hein. Bon, allez. Oh ouais, ça fait du bien de se poser un petit peu. Alors, ce matin. Attendez, par quoi je commence? Je ne sais plus. Alors, je vous avais posté dans. Oh, c'est encore un petit peu. Voilà. Je vous avais posté en fait en vidéo short. Mon repas du soir, c'était un petit sachet avec dedans, il y avait des céréales, des lentilles. Attendez, céréales, lentilles, et c'était quoi l'autre? Oh, je me rappelle. Quinoa, c'était un délice. Et il faut savoir, hein, comme je vous ai déjà dit, que nous, on passait beaucoup commandes sur Amazon. Surtout, on stocke beaucoup, enfin, on stocke. On achète en gros, on va dire. Voilà, on achète en lot le sopalin, enfin tout. Vous voyez, je vous ai déjà fait un petit haul. Faudrait que je vous montre d'ailleurs. Et du coup, Fabien, pendant un moment, il a acheté des petits sachets de boulgour. Donc, c'est vendu par sachet individuel. C'est juste génial parce que des fois, le soir, des fois, le soir, on ne sait pas trop quoi manger. En plus, c'est équilibré et c'est en petit sachet individuel. Alors, ils disent entre une. Voire deux personnes, non. Moi, je me dis une personne, voilà quoi. Voilà, hein, deux personnes, ça fait vraiment just. Hein. Oui, quand même, ça fait just. Et comment dirais-je? Mais c'était super bon. Et donc, il avait déjà acheté, il y a ça un moment, un lot de sachets de boulgour. Nous, on mange beaucoup tout ça, du boulgour, quinoa, des céréales complètes. Enfin, bref, voilà. Et comment dire? Et du coup, là. Comment? Il m'a dit, oh bah écoute, il dit la blonde, hein, vous savez, il m'appelle la blonde, hein, Fabien. Il m'a dit, j'ai repassé commande, donc il a repris ce genre de truc là, de sachet, et aussi du riz rouge, je crois. Riz rouge avec un autre truc, je ne sais plus ce que c'est. Je vous montrerai certainement en vidéo short. Hein. Ouais, non, mais je me dis, ça donne des fois, bon, pourquoi pas partager avec vous, des fois, ça peut donner des petites idées de repas du soir, enfin, du repas du soir ou repas du midi aussi, si vous voulez, hein, bien sûr. Hein. Mais là, bon, comme c'est pour une personne, bon, pour moi, c'est le soir, quoi. Le midi, on est à plus, quoi. Hein. On est plus nombreux, il y a mes petits-enfants, tout ça. Alors, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc, ça. Alors ce matin, je suis partie de la maison, je suis allée chez le véto parce que on commande les croquettes donc, et on les reçoit donc. Enfin, c'est Fabien qui s'occupe de ça. Hein. On les reçoit donc comment sur on les reçoit directement chez le véto. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc je suis allée. Alors ce matin, donc du coup, Fabien il achète aussi des petites boîtes de pâté pour chat.
Je précise pour chat. Non, parce que nous, on ne mange pas de pâté. Mais non, mais je rigole. Mais il est mélange, vous savez, il est mélange. Comment? Il est mélange avec ses petites croquettes, quoi, de temps en temps. Hein, parce que bon. Parce que moi, je ne sais pas si c'est bien de toujours manger mélange de pâté de. Pâté de pâté pour chat avec des croquettes tous les jours. Bon, et comment. Alors Fabien dit ouais, mais il dit comme ça, c'est vrai que des fois, bon, ça lui change un petit peu, quoi, il aime bien. Et puis, comment dirais-je? Donc, je lui ai donné donc de la pâté pour chat, hein, puisque j'avais plus de croquettes. Donc, je file chez le véto, je prends les croquettes. Et là, il y a eu un. Comment mes parents ont eu un problème avec leur téléphone. Bon, je n'explique pas, ni. Hein, voilà. Bon. Ils ont eu un problème avec le téléphone. Et moi, c'est juste pas possible. Ça me rendait malade. Mais je vous dis, donc, depuis. Comment? Hier soir, j'étais pas bien, quoi. J'étais pas bien. Mais vraiment pas bien du tout parce que. Bon, vous le savez, hein, moi, je vais chez mes parents tout le temps. Et j'aime le soir passer un coup de fil, quoi. Pour savoir si moi ça me rassure, pour savoir si voilà quoi, si tout va bien. Hein. Donc en général, même quand je vais à la gym, je le fais avant la gym. Parce que je me dis, après la gym, je rentre tard et mes parents se couchent de bonne heure. Donc avant la gym, je passe mon petit coup de fil, tout ça. Mais là, non. Alors heureusement, donc il y avait donc. Parce que j'ai le numéro de téléphone de certaines auxiliaires, quoi, si vous préférez. Pas toutes, parce qu'il y a des auxiliaires qui sont attitrés. Et par contre, il y en a d'autres qui viennent de façon occasionnelle, ou des fois, c'est des remplaçants. Donc, je n'ai pas le numéro de toutes, quoi. Mais les attitrés, oui, j'ai le numéro de téléphone. Elles sont super, entre parenthèses. Et donc, super génial. Et moi, je me dis toujours. Pour moi, c'est mes copines, hein, mais je vous assure, c'est mes copines, quoi. Ah ouais, je m'entends super bien avec elle et tout. Ouais, il y a une belle amitié, quoi. Et comment dire. Et donc, je savais que c'était une d'entre elles, que j'avais le numéro de téléphone. Donc, vite, vite, j'appelle tout ça. Et puis, bon, je m'excuse toujours pour le dérangement parce que je dis quand même, les filles, faut que ça aille vite, hein, le soir, le temps de préparer, tout ça. Et du coup, j'ai pu parler à papa, tout ça. Et puis, oh là 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 là. Je dis donc qu'il faut vraiment que je trouve un moyen pour, comment, pour que je puisse avoir le contact enfin avec papa, quoi. Et puis je me dis, mais vous imaginez, non, mais moi, ça me rendait malade parce que je me suis dit, mais mon père a besoin d'un. Comment, en cas de force majeure, mon père doit téléphoner. Il n'a pas de téléphone, quoi. Pour moi, c'était juste pas possible. Quand je vous dis que ça me rendait malade, c'est que vraiment, ça me rendait malade. Ah ouais, j'en ai pleuré parce que je dis, c'est pas possible, quoi. Bref. Et du coup, comment, donc papa avait un vieux téléphone hein, qui datait de Perpète-les-Bains. Je me rappelle, une fois, je lui avais acheté une recharge. Bon. Et puis, comment dire, donc, ce matin, j'y vais. Et puis, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je suis allée voir, hein, mais moi je connais pas tous ces trucs-là. Hein. Mon Dieu, elle est belle, il y avait une petite gamine qui était déguisée. Je ne suis pas, comment dit, je m'y connais pas trop dans les trucs comme ça, pour refaire des recharges, vous savez, sur les téléphones quand il n'y a pas d'abonnement, tout ça. Du coup, je cherche, alors je cherche un bureau de tabac, je suis allée à Auchan. Non, mais attendez, je vais à Auchan en premier parce que je me suis dit. Donc, ouais, je suis partie chez mes parents. Ouais, j'avais encore rien préparé le repas, rien du tout. Je prends donc le téléphone. Ouais, je prends le téléphone. J'arrive à Auchan et tout. Et puis, je cherchais un opérateur dans Auchan, moi. Ouais, ben ouais. Mais ça fait combien d'années que je suis pas allée au champ? Il y avait un vigile, il a dû dire bah, de où elle descend, elle? Mais de où elle descend? Oh, écoutez, alors j'étais partie dans la galerie en fait d'Auchan parce qu'il me semblait qu'avant il y avait les opérateurs. Ouais, bah oui. Mais comme je ne vais jamais à Auchan, donc voyez un peu. Moi je vais à Auchan, enfin et encore, c'est même Fabien qui réceptionne le drive, donc c'est pour dire. Hein. Et bon, bref, et donc je cherchais un opérateur.
Hein, style Orange, Bouygues, SFR, je m'en fiche, moi, du moment que j'avais la carte, quoi. Il n'y avait plus rien dans les galeries. Après, je dis, ben, il me semblait qu'à l'époque, avec Fabien, des fois, on allait à Auchan pour les téléphones. Il me semblait bien qu'il y avait un opérateur. Donc, je demande au vigile. Il me regarde, il me dit, ah non, mais madame, non, mais non, ça n'existe plus. Ah, pardon, excusez-moi. Oh, je ne sais pas. Ça fait très longtemps, je ne suis pas venue ici. Oh, bah, ça fait. Oh, bah, écoutez, je ne sais pas combien de temps ça fait. Hein. Donc, il a dû dire, ça y est, elle arrive de je ne sais où, hein, mais bon, bah, vaut mieux en rire. Et du coup, je repars avec le téléphone. Après, je me suis dit, bon, il faut que je rentre chez moi, il faut que je prépare le repas parce que je ramenais après l'après-midi le repas à mes parents. Je me dépêche et tout. Qu'est-ce qu'il y a eu après? Qu'est-ce qu'il y a eu après? Oui, j'ai préparé le colis de ma petite Céline. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, mais des fois, je vous jure, hein, il y a des trucs. Ça n'allait pas, l'adresse, ça ne fonctionnait pas. Le numéro de téléphone, il me disait que c'était sur Mondial Relais. Hein, le numéro de téléphone, il me disait que il était pas, comment on dit, pas valide. Oh, je disais, c'est pas vrai. Alors, mais là, non, mais là, c'est pas possible. Non, mais là, non, mais là, c'est pas possible. Bref. Après, j'ai quand même réussi. Je trouve donc, je vais dans un bureau de tabac. Ben oui, le bureau de tabac. Vous vous rappelez où il y avait le petit chien là où je vous avais parlé? La dame, elle me dit, non, on n'a pas de carte prépayée. Là. Enfin, vous voyez, bon. Mais par contre, elle dit, on vend un téléphone. Oh, bon, bah, montrez-le-moi. Elle dit 20 ou 30 euros. Je crois 20 euros. Bon, bah, je vais le prendre. Il était complet, en fait. Mais le souci, c'était marqué sur la boîte, 50 textos, je crois. Mais bon, les textos, alors bien sûr, mon père, il ne va pas envoyer de textos, hein. Mais j'ai dit au niveau de la communication, j'ai dit il y a combien? Et donc après, elle demande à son mari. Le mari me dit, oh, il dit, vous savez, il dit madame, il dit non, il dit c'est pas, il doit pas y avoir beaucoup, quoi. Ben ouais, mais bon, je ne savais pas. Donc je me suis dit, si j'achète le téléphone et puis que ça ne va pas, c'est pas possible. Bref. Bon, ben je dis, bah tant pis, je ne vais pas le prendre. Et je repars dans des endroits. Et je m'en vais à la poste. Et tout, non, non, on n'a pas ça. Il faut aller carrément chez l'opérateur, machin. Bon, je réussis à trouver, comment on appelle ça, la carte prépayée, là. Vous savez, enfin, juste, on a le ticket et on a le numéro où il faut appeler pour qu'il vous charge le téléphone, quoi. Recharge le téléphone. Ouf! J'arrive chez mes parents. Vous savez que je suis très... Très patiente, hein, vous le savez. Vous savez que je suis très patiente. Mais oui, mais bien sûr. Waouh, j'ai chaud là, j'ai chaud. Donc, je commence à faire le truc. On me dit carte SIM non valide. Non, 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 ce n'est pas possible. Pas possible. Ah non, c'est pas possible. Je me suis dit non, c'est pas vrai. Là, j'ai dit, bah, je peux rien faire en fait. Où est-ce que ça s'achète une carte SIM? Je peux rien faire. Fabien, il travaille. Du coup, je m'en vais. Je repars. Peut-être que je vais téléphoner à Fabien, là. Je repars et tout. Parce que j'avais dû aussi aller porter mon colis parce que le truc n'était pas ouvert. Si dans le contretemps. Bon. J'appelle Fabien. Je lui dis, écoute, maintenant c'est la carte SIM. J'ai le numéro pour charger le truc, mais la carte SIM, ça marche pas. Comment ça se fait? Il y en a une déjà. Pourquoi elle n'est pas valide? Je comprends pas. Il y avait une carte incorporée, quoi. Il me dit, mais tu sais, il dit certainement qu'il dit c'est trop vieux, quoi. C'est la carte SIM. Ah bon? Et où est-ce que je peux acheter la carte SIM? Il me dit, ben écoute, soit il faut aller carrément chez leur opérateur. Soit il faut aller dans un bureau de tabac, un truc comme ça, ok. D'accord. Du coup, j'en ai fait un. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Oh, j'ai dit, tant pis, je vais aller. Alors, j'ai dit, tant pis, je vais reprendre la voiture. Et puis, je vais partir carrément à la Cité de l'Europe, quoi. Parce que je dis, de toute façon, ce n'est pas la peine, hein, je ne veux rien. Mais il y a eu encore un truc aujourd'hui, hein. Je sais plus ce que c'est. Et donc je me suis dit, bon bah tant pis. Voilà. Et puis bon, il y en avait un autre. Il y en avait un autre.
un bureau de tabac. J'ai cru que j'allais pleurer. Je vous jure, j'ai cru que j'allais pleurer. Ah non, mais vous savez comment je suis. Hein. Bah, tu sais, quand tu cours comme ça toute la journée, comme ça, puis que il n'y a rien, quoi, ça va pas, quoi, ça va pas. Du coup, j'arrive dans le petit bureau de tabac, quoi. Et puis, donc, je lui dis, j'ai bonjour monsieur, est-ce que vous vendez des cartes SIM? Il me dit oui. Ah, je dis, c'est pas vrai. Ah, non, non, non. Bon, vous savez en plus comment je suis, moi. Je lui dis, oh là là, je suis trop contente. Oh là là, j'ai vous me sauvez. Vous me sauvez. Il me regarde, je dis, non, écoutez, depuis ce matin, je cours pour la carte. Enfin, bref, puis je lui explique grosso modo, quoi. Et puis, il me dit, oui. J'ai écouté, est-ce que vous pouvez l'installer dans le téléphone, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Il regarde le téléphone, mais c'est un vieux téléphone. Il me dit, non, mais il dit, on ne peut pas l'ouvrir, vous savez, le truc, pas la coque, mais le truc. J'ai dit, si, j'ai réussi. Mais j'ai essayé, mais j'ai dit, je vais me casser un ongle. Mais bon, du coup, il me donne un petit truc, quoi. Et du coup, je réussis. Bon, bref, ça va. Donc, il met la carte SIM. Et donc, il fait ça. Ah, bah, il dit, ça marche. Oh là là, écoutez, j'ai dit merci. J'ai cru que j'allais pleurer devant lui, je vous jure. Je vous jure, j'ai cru que. Ah, ouais, non, j'étais partie dans mes émotions parce que je disais. Oh, j'étais trop contente, quoi. J'étais trop contente pour papa parce que je dis, mince, voilà, quoi. Du coup, après, je repars chez mes parents. Et puis, j'ai dit à papa, ça y est, ça, on a réussi, ça y est, ça marche et tout. Donc, j'étais trop contente, trop contente. Bon, je lui ai expliqué grosso modo, quoi. Comment, bon, enfin, de toute façon, le téléphone, on appuie sur le bouton vert et on raccroche sur le bouton rouge. Hein. Alors, j'ai dit à papa, j'ai dit là, comme ça, j'ai dit, tu vois, là, je peux partir tranquille. J'ai dit, je peux partir. Non, mais je vous jure, hein, franchement, je suis émue. Quoi. Mais, ben, peut-être que je sais pas, hein, mais moi, comment je fonctionne, mais bon, bref. J'ai dit, mais là, ça y est, je peux partir tranquille. Je sais que si tu dois m'appeler, tu peux m'appeler. Je sais que moi, je peux t'appeler. C'est plus moi qui vais l'appeler, voyez, parce que là, il n'y a pas beaucoup de forfaits. Il y a très, très peu de forfaits. Donc, j'ai dit, surtout, je lui ai dit, comment, ne m'appelle pas. Je dis, tu m'appelles pas. Je dis, garde le forfait. Je dis, c'est moi qui vais t'appeler. C'est moi qui vais t'appeler. J'ai dit, maintenant, si tu as besoin d'être là, j'ai dit, tu m'appelles, je sais que tu peux le faire, quoi, tu vois. Vous voyez? Mais, enfin, vraiment, écoutez, oh là 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 là, je suis rassurée, mais vous pouvez même pas vous imaginer. Vraiment. Alors, comment dirais-je? Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Donc, 17 minutes. Et donc, je suis contente. Je suis super contente, mais vraiment trop contente, rassurée, tout ça. Ouais, non, mais bon, voilà. Je sais que des fois, je me dis, je pars toujours dans l'excès. Quoi. Du coup, après, j'ai embrassé papa, puis j'ai embrassé maman, je dis, ah bah, ça y est, ça va, on est bien, quoi. Au moins, je sais que papa il doit me téléphoner, ben voilà quoi, il n'y a pas de problème quoi. Hein. Bon, ben écoutez, est-ce que je vais aller faire un petit tour à la salle de muscu? Moi je pense. Là il est 5h25, je pense que même si j'y vais, je vais voir. Je vais voir parce que j'ai quand même bien couru. Mais c'est, vous voyez, c'est pas, je ne suis pas fatiguée physiquement, hein. Bon, pas du tout, du tout, du tout. Mais c'est plutôt moralement, vous voyez, j'ai attrapé même à la tête. Puis voilà, puis il y a eu encore 2-3 petits trucs dans la journée, mais je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. Si je m'en rappelle, je vous le dirai la prochaine fois. Hein. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, j'ai pensé avec Fabien de vous refaire une petite vidéo. Peut-être que la prochaine fois, j'essaierai peut-être de faire une astuce. Hein, peut-être pour essayer, comme je vous dis à chaque fois, toujours différent, diversifié. Et avec Fabien, mais c'est parce que vous ne voyez pas sa tête. Parce que j'avais vu des fois des couples sur YouTube. Ou même des fois sur TikTok aussi. Et des fois, admettons, ils mangent des trucs. Vous voyez, bon, c'est tout. Moi, vous savez que j'adore ça, toujours rigoler. Et comment dire, mais le problème, c'est qu'on ne voit pas sa tête. Alors, enfin, je ne veux pas qu'on voit sa tête. Hein, bon, je vous avais expliqué. Donc, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, c'est pas grave. On fera des autres questions. Mais par contre, j'avais vu la dernière fois, je n'ai pas fait attention. Mais quand on a fait le petit jeu questions-réponses, je me suis dit après, ah ouais! Mais c'était plus des questions pour moi, en fait. Je n'ai pas trop posé de questions à Fabien parce que ouais, je trouvais que c'était plus pour moi. Donc, la prochaine fois, je me dis, bah, j'essaierai d'équilibrer dans la balance, vous voyez, que ce soit vraiment, voilà, que ce soit les mêmes, enfin, pas les mêmes questions, mais
que ce soit un peu, que ce soit équitable, on va dire, voilà, comme ça, que ce soit équitable. Hein. Bon, bah, c'est tout. Hein. Non, bah, c'est tout. Non, non, bah, c'est tout. Donc, certainement une petite astuce. Mais je ne dis rien, parce que bon, vous savez, si la prochaine fois, je vous retrouve pour autre chose, je préfère éviter. Je pense une petite astuce, mais on verra bien. On verra bien. De toute façon, si, même si ce n'est pas la prochaine fois qu'on se retrouve pour une astuce, ça sera d'après. Ou voilà quoi. Hein. Et puis voilà quoi. Hein. Bon, ben moi, je mets la ceinture. Je mets la ceinture. Je vous embrasse très très fort. Et puis, je vous fais des énormes. Et j'étais trop contente de vous retrouver. Ah ouais. Je me suis posée avec vous. Ben, c'était génial quoi. C'était super génial. Ouais. Donc moi, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très vite et je vous fais des énormes gros gros bisous.